Salut à tous, à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour commencer, je tenais à vous... Bon, j'arrête de prendre cet accent. Pour commencer, je voudrais vous remercier pour la dernière vidéo qui était mise il y a une semaine, à l'heure où je tourne. Et qui a eu déjà 460 vues en une semaine et qui a eu des très bons retours, parce que vous m'avez tous demandé d'en... Enfin, tous. J'ai eu des commentaires me demandant d'en refaire, tout le monde a regardé la vidéo jusqu'au bout, etc. C'était super. Donc je tenais déjà à vous remercier pour ça, pour la barre des 200 abonnés, parce qu'on vous a toujours pas remercié pour ça, alors qu'on les a depuis quand même 2 semaines, un truc comme ça. Bref, c'est super cool, tout ça, etc., etc. Et je profite qu'on soit du coup sur ce bel ensemble, cette belle page YouTube. Sur laquelle on peut observer évidemment notre beau logo et notre belle bannière également. Bref, juste pour faire court, petit concours qu'on organise à partir de maintenant. En gros, ce qu'on aimerait, c'est changer notre logo et notre bannière. Ce qu'on aimerait, c'est clairement l'échanger. Parce que bon, on va pas se mentir, la bannière, c'est pas nous qui l'avons faite. Le logo, non plus. Ah Donc en gros, on voudrait faire appel à vous si. Parmi vous, il y en a qui sont chauds dans ce qui est faire des logos, faire des bannières ou ce genre de bail. S'il y en a qui sont chauds et que vous avez du temps à perdre, si vous le souhaitez, vous pouvez tenter de nous faire une bannière ou un logo. Alors évidemment, il y aura quelque chose à gagner, puisque sinon ça vaut pas le coup. Mais d'abord, je vais revenir. Bon, d'abord, je vous montrer ce que vous avez gagné. En gros, on voudrait, pour remercier la personne qui aura réussi à nous convaincre sur un logo et bannière hors du commun, on fera gagner ce superbe pack qui peut être offert. Donc, c'est le pack d'automne, 300 Mammoth Coin, un petit logo avec une site. Donc voilà, on va faire gagner ça coûte 9 balles. Donc, c'est plutôt beau comme cadeau. Et donc. Je vais vous donner quelques critères quand même pour essayer de rester dans les. Dans les. Enfin pour vous donner des chances, plus de chances que ça nous plaise quoi, quand même. Parce qu'il y a un minimum, tu vois. Genre t'as vu. Enfin voilà, bref. Donc en gros, pour ce qui est du logo. Donc le logo c'est assez petit, du coup on va partir sur un truc simple. On aimerait quelque chose de vraiment. Vraiment. Que ça ait de la gueule, mais que ça reste basique. Genre, peut-être en mettant les initiales, genre les glandus, ça peut faire LG ou les glandus, blablabla, LGB, enfin un truc. Ça pourrait être les initiales. Je vous donne des exemples. Hein. C'est vraiment purement genre faites à votre guise. Si vous voulez, si vous sentez pas de faire un truc avec des lettres ou quoi, que vous avez des idées pétantes, des trucs qui claquent, faites-les. Franchement, faites-les. Nous, on va tout regarder. On va regarder tout ce que je viens de proposer. Faites-nous un truc qui claque. Genre juste, on veut juste que pour le logo, ce soit un truc général. Il passe partout. Ce soit pas focus Brolala. Faut pas qu'on. Peut-être une petite touche, genre une petite référence à Brolala. Peut-être un petit truc par-ci par-là. Mais c'est tout. Genre, on veut un truc simple. Ça passe partout. Ce soit épuré. C'est si vous voulez mettre des initiales, mettez des initiales. Si vous pas le nom entier, ça fera trop grand, ce sera pas ouf, je pense. Enfin, faites comme vous le sentez. Mais genre, moi, je vous conseille soit peut-être des initiales, peut-être si vous voulez pas mettre de lettres, faites un truc, je sais pas, avec des petites références à Brolala ou des trucs du genre. Enfin, je sais pas, mais un truc généraliste. Pour ce qui est de la bannière, donc là vous êtes un peu plus open, faites un peu comme vous le sentez, peut-être écrire les glandus en gros avec principalement des touches de gaming avec, bon bah je pense que la bannière est grande donc vous pouvez faire beaucoup de touches sur Brolala, beaucoup de trucs sur Brolala. Donc voilà, franchement on laisse franchement libre accès, faites vraiment ce que vous voulez. Mais ce qu'il y a, juste il y a nos petits critères qu'on aimerait en plus si c'est possible. Si vous vous sentez pas d'avoir des petits critères et vous avez d'autres idées en tête, faites-les, n'hésitez pas. Nous on regardera tout et on fera une vidéo. Donc pour ceux qui ont fait leur logo mais qui n'ont pas été choisis, enfin pour information, on va faire une vidéo où on va en regarder un maximum. Et on va en sélectionner un. Donc déjà, vous inquiétez pas. Celui qui gagne, il aura son gros lot. Mais ceux qui n'auront peut-être pas la chance de gagner, vous aurez quand même une pub. Parce qu'on va faire une vidéo YouTube sur laquelle tout sera présenté. Sur laquelle absolument tout sera pas critiqué. Mais au contraire, genre on va donner notre avis sur tous. Enfin, développer le potentiel de chacun, etc. Donc on vous fait tous une petite pub. Surtout le gagnant, enfin le gagnant en plus de ça, il a un lot, voilà, c'est un petit truc en plus. On fera pas un lot pour le logo et un lot pour la bannière, si c'est possible, genre
Enfin, ça va être compliqué. Genre, s'il y en a un qui. Enfin, essayez au maximum de faire le logo et la bannière, ça serait cool. Parce que si on commence à en avoir un qui fait un beau logo, un qui fait une belle bannière pour le cadeau, ça va être assez short. Donc, ça va être. Donc, ça va être un peu compliqué de gérer ça. Pour nous envoyer vos créations, si, en espérant qu'on en ait le maximum, ça serait cool. Les gars, franchement, ça serait ouf. Genre, franchement, envoyez-nous-en un max. Franchement, s'il vous plaît, prenez un petit peu de temps. Il y a un putain de lot, franchement, les gars. Oh, franchement, ça serait ouf, 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 ouf que vous nous en fassiez un maximum. Bref, du coup, je reviens sur ce que je disais. Pour nous les envoyer, une adresse email est évidemment créée. Elle sera affichée à l'écran. Ah, j'ai encore la page là-haut. Hop, là, on va la fermer. Donc, les gars. La chaîne, enfin la chaîne, je vais fermer ça. Le truc, enfin l'adresse email sera affichée à l'écran évidemment, je vous la mettrai au montage. Elle sera mise en description, je vous referai peut-être un débrief des quelques critères si possible en description, mais vous pareil, vous forcez pas les gars. Et puis ben voilà, c'est tout, vous nous voyez, on fera une vidéo, on les regardera tous, on fera toutes vos petites pubs. Etc. Etc. Et puis du coup il serait temps qu'on passe à la vidéo parce que je commence un petit peu à radoter j'ai l'impression. Donc vous vous rappelez la dernière fois, enfin la dernière vidéo, enfin je sais pas si ça sera la dernière d'ici là. Là c'est la dernière vidéo. La dernière vidéo où j'ai fait du solo, où j'ai joué Xul. J'aimerais varier un petit peu, du coup je pense que je vais partir sur du Sidra cette fois-ci, mais l'objectif c'est toujours de jouer le canon. En fait j'hésite. Peut-être jouer Isa mes couilles là. Lui là. Ah je l'ai niveau 2, ouais j'ai. Oh, putain j'ai quitté. Eh, j'ai un skin dessus, j'ai niveau 2 gros. Je pense que je vais peut-être partir sur Sidra parce que je me vois pas jouer les flingues. Donc ce qui se passe les gars. Ce qui se passe les gars c'est que la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué Xul. Je vais peut-être écarter le micro. On a joué Xul. Allez hop, on joue ça. Et je joue une couleur. On a joué Xul pour ce train au canon. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que c'était assez simple. Mais après j'avais la hache pour m'aider parce que je suis assez bon à la hache, on va pas se mentir. Mais du coup, on va repartir cette fois-ci avec Sidra, on va changer un peu parce que si on fait tout le temps une vidéo sur Xul, je sens que ça va être chiant. Je vais enlever la souris. Ok, on est parti. Donc déjà, il a Orion, il a un nouveau skin, il est chaud. Ok, on va se concentrer. J'ai pas joué encore. Enfin, j'ai joué dans la journée, mais c'était il y a longtemps. Ok. Ok, on va se concentrer, on va se concentrer. Non, ne touche pas. Eh, mange ça, mange ça, mon pote. Mange ça. Ok, mon chat mon pote. Oh, je suis un débile mental là, une jamelle. Je me suis mis dans son alag, frère. Ok. Voy a me concentrar un poco más. Ok, parfait. Le lancer d'armes qui était parfait, mon pote. Tu fais des lancers d'armes comme toi, comme ça, toi. Oh putain, comme toi, ça, ouais. Vas-y, mon pote. Tu fais des lancers d'armes comme ça, toi. Eh non, je crois pas. Non, et pourquoi? Parce que tu es moins bon que moi. Tu es moins bon que moi. Oh là là, je me fais lever, maman. Je me fais lever. Je me fais lever, c'est cool. Ok. Ok, j'ai raté. J'ai pas réussi à prendre l'arme, Ça va pas, ça va. J'arrive pas à jouer, mais. Franchement, on n'est pas forcément là pour gagner, je vous préviens. Il a que changer d'excuse. Non mais on n'est pas forcément là pour gagner, moi ce que je veux c'est surtout de me traîner au canon. Donc tu vois, ce que j'en ai à foutre de ça, ça dégage. J'ai voulu la dégager, j'ai raté. Non mais aussi on voit à son skin qu'il est chaud hein. Comment ça l'a pas touché ça par contre. Je suis un peu enrhumé, c'est trop chiant. Mais allez, on punit. J'aurais bien voulu punir une deuxième fois, mais j'ai raté. Ok, je me fais un peu lever, hein. On va pas se mentir. Ok. Ça peut le faire, je peux encore remonter les gars. Est-ce que vous croyez en moi vous? Putain, mais vous avez pas cru en moi aussi. Oh, ok, c'est bon. Je vais me calmer. Je la vie de ma mère, je me calme. Je me précipite aussi. Non, c'est d'armes. Non, j'étais sûr qu'il passerait. Ça l'a pas touché.
toi dégage. Bon, alors là concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a une égalité, je vais changer, je vais prendre l'épée pour pas qu'il y ait là. Je change vraiment pour pas qu'il y ait là. Oh, belle esquive mon copain. J'utilise pas ces ultis, je les connais pas ces ultis. Ok, non, j'ai tenté. C'était risqué. Ça m'a touché, ça. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, encore une fois? Non, c'est parfait. Non. Et allez! Et c'est la victoire pour le joueur français. Putain, les dégâts, c'était... Oh, il était français. Oh, il était français. Est-ce qu'on pourrait lui caser... Ah, bah non, il est parti. J'aurais bien voulu lui caser deux mots. J'aurais voulu lui dire, ouais, il y a un concours qui a organisé sur la chaîne YouTube, comme mon frère. Bref, j'ai pas pu. Bon, première victoire. Ok. J'essaie aussi de faire un petit peu plus long que la dernière fois, puisque, bon... en fait, en gros, le concept a l'air de plaire. Mais le truc, c'est que... même moi, regardant la vidéo, je trouve que 3 minutes, c'est short, surtout si le concept plaît, genre... Ce genre de vidéo, ça peut être super bien, genre ça plaît du monde, mais le fait que ça plaise, c'est short. Du coup, genre, je vais peut-être passer sur du 4 game, ou si je passe pas sur du 4 game, comment je gère. Allez, bisous, mange toi. Putain, elle est puissante cette attaque, mais elle est trop dure à caler. Putain, mais oh, ils ont tous ces nouveaux skins, c'est impressionnant. Moi, je suis là, je suis avec mon skin cancéreux, là, le skin de base, là. Frère, mon skin, il coûte de l'or, il coûte même pas des mammouth coins. Bref. Salam, hey. Okay. J'aurais bien lancé un petit combo, mais... Et ouais, mon pote, read. J'ai dash. Oh mon dieu, j'aurais pas dû sauter. Ok. Mange. Toi la gueule. Putain, le cri que j'ai fait, mon pote. Alors on va jeter ça. Vas-y, lance-la, lance-la. Ok, c'est bon, t'es fier de toi. Oh mon dieu, il m'a eu. C'était mal joué de ma part, j'ai vu. Oh, bien joué, bien joué. Bien joué, oui. J'ai pas beaucoup d'avance, ça va être Tandax. Tandax max. Oh, j'aurais bien voulu le pousser dedans, mais j'ai pas réussi, comme vous avez pu le voir. J'ai dash. Oh là là. Bien joué. Non. Ouh, je l'ai échappé belle. Et je parle pas de l'émission sur la télé. Échappé belle. Ouais, c'est un truc de vieux. Moi, je suis pas vieux, mais genre, je sais que ça passe à la télé, t'as vu. Non, il m'a eu. C'est quoi ta action? Ok, c'était risqué. Je suis sûr, il pensait que j'allais jeter sur la... Oh, jamais il meurt. C'est bon, je l'ai eu. Putain, j'espère qu'on n'entend pas la manette. Je la... En fait, la manette, je la rapproche petit à petit de moi. What? Oh, oh putain, mais c'est une grosse blague. J'ai pas envie de faire un replay, j'aurais la flemme au montage, donc j'ai pas demandé à faire un replay, mais... Mais genre, moi, ce que j'ai vu, c'est que... Oh là là. Moi, ce que j'ai vu, c'est que, ben... Oh la petite feinte que je lui ai mis au camp.
Ah, bien joué à lui, je suis mort. Bien joué à lui, la deuxième game, elle est perdue, et bah c'est super, et bah c'est super, il a que dalle de Hello. Et ouais, mais c'est compliqué, mais je suis là pour m'entraîner, je ne suis pas là pour... Et oui, tiens que quoi, toi? En vrai, genre, je sais pas si vous êtes chaud pour que je mette les games où je peux... Enfin, genre là, celle-là a été serrée, du coup, genre voilà. Les games où je me fais violentiser la gueule, genre je sais pas si je dois de ouf les mettre ou pas, genre... En gros, genre... Ah putain, mais c'est... Soit je top... J'arrive pas à parler. Genre, je tombe que sur des mecs qui ont les nouveaux skins. Putain, il est 22h22, les gars, touchez votre nez. Allez hop, c'est dans la boîte. Ah, faut savoir un truc, c'est qu'en ce moment, j'ai du mal avec les gens qui ont la grosse lance. Hein. Vraiment, j'ai du mal. En fait, il y a l'effet de mode qui est la grosse lance, et là, elle est overshit en ce moment. Regardez. Elle est overshit, elle touche à des kilomètres. Vraiment à des kilomètres, hein. Ah, vraiment, elle touche à des kilomètres et... Oh, je prends la mine. Oh là là, quel bâtard, il s'est gavé. Boum. Non, j'ai pas eu. Ok, super. Elle touche à des kilomètres et bah, du coup tout le monde l'utilise parce qu'elle est shit quoi. Il faut falloir nerf ça les potes. Hein. Ah il m'a eu le bâtard. Oh je suis pas mort. What? What? Genre je connais pas la hitbox du perso parce que j'ai niveau 4 comme vous pouvez le voir. Il va prendre trop d'avance, vous allez voir. Avec sa grosse lance là, je peux pas. Oh là là, regardez ça, c'est monstrueux. Je me fais violentiser, c'est énervé. Moi je remonterai pas ça hein. Moi jamais je remonte ça hein. En plus je jouais canon, je veux m'entraîner canon, je joue même pas tellement c'est chaud. Soit le mec est chaud, soit je suis une grosse merde. Voilà où on en est quoi. Ok super, pas super. Bah super. Bah super. Non mais je veux bien être con mais faut pas déconner non plus mon coco. Bah ouais mon grand. J'ai jeté mon arme mais je l'ai pas prise. C'est insultant, je suis désolé monsieur, c'est insultant. Je dois contacter l'assistance de Brulala s'il vous plaît. Putain quand faut organiser des concours, je suis chaud mais là dès que c'est pour jouer je me fais violer et c'est moins drôle quoi. Je m'en jaille moins quoi. Oh là 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 là, 100%, je veux dire 100% IQ, je veux dire 200 IQ, mais ouais. Par contre, je suis désolé, mais je l'ai tapé. Je suis désolé là aussi, mais... Allez, ça dégage, mon grand. Allez, bon, je pense pas à Taunt, mais genre, en vrai, je sais pas. Bon, il est français, est-ce qu'il a quelque chose à dire hein? Non, il n'a rien à dire, ok, bah ciao. Gentil... Oh, j'avais pas vu ça plus gentil poney, trop de choupi. Bon, allez. On se chauffe. Là, franchement, là, les gars, si vous me dites que je suis pas chaud, bah c'est triste. Bah, c'est que vous observez très très mal. Là, je vous le dis, les potes. Cette game-là, elle est gagnée.
Là je pense que c'est la dernière, on va partir sur une dernière. Je pense que la vidéo elle va durer quoi? Elle va durer 15 minutes. Ah non, t'es, avec l'intro elle va durer plus longtemps frère. Ouais, elle va durer 15-20 minutes, allez hop là. On va tout casser. Oh, on est contre un Xul, oh c'est l'horreur. Ah, je vais me faire lever là. Ok, allez je vais dire bonjour, bonjour mon grand. Pourquoi tu joues pas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais mon pote? T'es là? Ah yes, t'es là mon grand. Du coup je peux jouer? Désolé mais je prends de l'avance sinon je... Oh j'ai... Eh ouais mon pote, allez adieu. Allez adieu mon pote, bien joué. Bien ouais je... Bien wesh, bien wesh, bien wesh. Je vais prendre l'arme 100%. Je sais pas quand mais il va la prendre, obligé. Oh là, il a dit, ah je l'avais dit, j'avais dit, j'avais call. J'avais call. Preuve en direct. Allez, mange ta misère. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je m'y attendais pas à celle-là. Ça, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Respect à toi, mon pote. Rien à dire. Franchement, franchement, alors rien à dire. Voilà, les petits tips, regarde. Il rush, hop là, la droite. Oh là. Évidemment, au moment où je vais donner le tips, bah, il stoppe le truc, quoi. Tu me permets? Merci. Bien joué à toi, mon grand. Objection votre honneur. Hop là, toujours récupérer son arme, c'est important. Qu'est-ce qu'il m'a mis lui? Ouais mais quand t'as plus de dash tu fais comment pour protéger mon pote? C'est une côté. J'étais sûr que ce serait une neutrale. Oh là 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 là, il reprend l'homme. Oh là là là. Putain, j'avais dit que je la gagnerais, je vais la perdre, c'est une blague. Oh le push inutile, le push trop dangereux. Objection votre honneur, par contre là tout à l'heure il s'est passé un truc assez dérangeant là. Ah attention, il va prendre l'arme, ok, il a pris l'arme, ok. Il a niqué son dash. Toujours observer ce que fait l'adversaire. Ok. Il allait faire un move risqué, j'ai préféré assurer le coup. Non. Oh là là, c'était risqué ça. Genre j'ai sauté. J'ai... Pareil, j'ai dash. Le problème c'est qu'il fait beaucoup trop de dégâts comparé à moi. Oh là là, les TP, les TP, les TP, les TP, non c'est pas le moment les gars. Ouais parce que là il pleut énervé et bon le temps n'arrange pas la connexion quoi. Le mauvais temps je veux dire n'arrange pas forcément la connexion tu vois. Non mais non ça m'a fait bugger. Non non s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, l'appui, attends un peu s'il te plaît. Non, le mauvais temps il a tout niqué. C'est vraiment à fond à cause du mauvais temps, hein, je vous le dis, hein, parce que là j'étais sur une belle game, là non j'ai bugué. En gros j'avais une latence. C'est triste. C'est trop triste. Bon, faut pas m'en vouloir les gars, vous savez, je sais pas jouer le perso. Bref. Je pense que je peut-être rejouer Xul, je m'en sortais mieux. Non en vrai, je pense qu'il faut que je me traîne. En fait genre, ce que je veux, principalement, c'est savoir tout gérer uniquement avec les légères, parce qu'avec n'importe quel arme, je sais jouer aux légères, mais pas avec le canon. Donc spammer les outils c'est pas trop mon bail tu vois. Mais genre mine de rien ça aide. Et genre là j'avoue que ça m'a bloqué. Notamment la côté parce qu'il est un peu cancer la côté sur ce perso. Je trouve genre en fait genre, quand on fait ça sur côté, que ça soit avec l'épée ou enfin, déjà c'est avec le canon je la trouve bizarre. Parce que genre en gros t'es projeté, enfin t'es un peu surélevé. Et je sais pas si c'est une hitbox qui est loin, qui est haute, qui est, je sais pas, c'est bizarre. Faudrait que j'étudie ça un peu plus en détail. Mais j'ai pas la foi. Bref, je pense que dites-moi aussi en commentaire si vous êtes resté jusque là aussi toujours.
J'ai plusieurs questions. Les gammes où je me fais violer la gueule comme ça, est-ce que vous préférez que j'ai... Enfin, violer, la gamme est belle, mais je perds. Est-ce que vous voulez que je les laisse? Parce que, genre, de toute manière, je suis pas un pro, je peux pas gagner toutes mes games. Soit je vous mets quand même celle où je perds, même si c'est serré et que la gamme est belle. Enfin, bref, j'ai plus... Merde, ce que j'ai dit. Bon, est-ce que je vous les mets, les games où je perds, est-ce que je vous les mets ou pas? Est-ce que vous voulez que je continue de jouer les persos, mais en changeant un peu, genre un coup Xul, un coup Syndra, un coup, là en ce moment il y a Linfei qui est disponible, donc je pense à Linfei. Est-ce que je tourne au niveau des persos avec le canon? Est-ce que... Donc, pour le canon, pour les games perdus, et ensuite... Ensuite, je sais plus. Et ensuite, je sais plus. Bref, du coup, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si, bah, de toute manière, on a fait deux victoires, deux défaites. C'était sympa. Bref, bonne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de poser votre like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, faites monter cette putain de barre d'abonnés. Là, on est à 241 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et là, faut que ça monte, là, les gars. Là, on est sur une bonne lancée. Là, faut pas que ça s'arrête. Je suis pas platine, je vais bientôt passer platine, mais ça bientôt. Si vous êtes toujours là, petit hashtag Sidra, et allez, sur ce, bye bye.